Rendez-vous à 8h dans l'eau pour l'échauffement. Après 18 mois d'attente de compétition en piscine, les compétitions peuvent enfin reprendre. Le samedi 16 octobre 2021 avait lieu à Lorient la compétition Little Big Meeting. Ma motivation était au top pour essayer de me qualifier sur 400 mètres nage libre. La concurrence allait être très rude. Je me prépare pour mon 400 mètres nage libre. Ça y est, ça commence avec un gros stress. Hey, tu prends le chrono, Karine. Comme vous l'avez peut-être constaté, les séries sont doublées, c'est-à-dire que nous sommes deux par ligne d'eau. J'avais la chance d'être seule dans ma ligne, cependant, j'étais dans la plus mauvaise ligne d'eau sur le côté. Je stressais énormément avant le 400 mètres. Mon envie de me qualifier au championnat de France était énorme, sachant qu'au 200 mètres, au 100 mètres et au 50 mètres, j'avais échoué à quelques centièmes. Je trouve que je suis assez bien partie, ni trop vite, ni trop lentement. Je me rappelle qu'avant ma course, je m'étais échauffée comme une dingue. Je voulais vraiment cette qualification. Pendant toute la course, je n'ai pensé qu'à me qualifier aux France. Ma concurrente d'à côté m'a bien aidée à dépasser mes limites. Tu me dirais qu'on a fait aux 100 mètres, là. Ça y est, on a atteint les 100 mètres. En regardant ma course, le stress revient. Je trouve que je me suis bien améliorée sur les coulées, mais la reprise de nage, c'est pas encore ça. Dès que je finis ma coulée, mon envie de respirer est incontrôlable. Il faudrait que je fasse deux mouvements de bras sans respirer. Ceci me permettrait de sortir de l'eau avec une plus grande vitesse que je pourrais maintenir plus aisément sur toute la longueur. Devenu de plus en plus dur. Allez, courage! Que mes coulées se sont un peu améliorées. Bon, évidemment, elles sont pas super longues comme Michael Phelps, mais ça s'est amélioré quoi. J'ai cru qu'elle allait me rattraper. Et moi aussi, j'ai commencé à accélérer. Bon, allez, je vous laisse regarder la course et profiter de ce suspense.
plus que 1,50 et le 400 est fini. Sur le dernier 50, on peut voir que ma concurrente remonte à toute vitesse. Sur le dernier 25, lors du virage, j'ai vu qu'elle se rapprochait dangereusement. Il a donc fallu que j'accélère comme une malade. Conserver ma place de première dans cette série et par la même occasion, obtenir ma première qualification au championnat de France jeune, dont j'avais toujours rêvé. Ça y est, mon objectif est atteint.